Yahoo, divancha Donc aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo critique tome 1 et aujourd'hui, on va parler de Arte. Arte est donc un manga des éditions Komiku et c'est un Seinen. Nous sommes sur une série toujours en cours en France et au Japon. Alors, euh, la série date de 2013 au Japon et de 2015 en France. Nous sommes à 14 et 15 tomes. 15 sommes au Japon, 14 ans en France. La série H concierge aux 14 ans et plus, nous sommes dans le genre historique, tranche de vie, apprentissage, art et société. Et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes, à part que nous sommes avec Kei Okubo au niveau du mangaka. Et je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose. Voilà, donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. Pour ce qui est donc du manga, on va vite fait parler des couvertures. On est sur une critique tome 1, on peut faire ça un peu dans n'importe quel ordre, donc c'est ça qui est cool. Donc pour ce qui est de l'illustration à l'avant, je la trouve magnifique. On a vraiment un gros travail de dingue et c'est ça qui donne aussi envie de lire le manga. Ici, ça va être toujours similaire par rapport aux autres titres, donc je trouve ça cool. C'est assez répétitif, mais c'est visuel. Donc quand on a plusieurs, comme là, il y en a à peu près une dizaine. Quand tu les as tous alignés dans, une, dans un rayon, tu les vois facilement. Et c'est ça qui est un avantage. Personnellement, je trouve que ça a plus d'avantages que certains de titres, comme certains shoujo principalement, où par exemple ça change de couleur, etc. Personnellement, je trouve ça pas productif. Bref, toujours est-il l'arrière aussi, qui est un, un travail de dingue. Et donc le résumé de Mi de façon très propre, sur le côté et tout. On après. Ouais, y a là, au niveau du, du mur, en fait, c'est assez ton sur ton. Donc, ça, ça passe, mais bon, c'est pas, pas le mieux, quoi, au niveau des de, de, de couleurs. Bref, toujours est-il, j'adore au niveau de l'esthétique. Il y a le prix, donc, 7,90€ euros. Quand on enlève la jaquette, on a quelque chose de très simple. Voilà. Là aussi. On a une très, très belle page en couleurs. Les couleurs, on y repassera, mais elle est en couleur quand même. Un sommaire qui est plutôt simple, basique, mais efficace. Donc, pour ce qui est des pages entre chaque chapitre, on n'en a qu'une au final. Je pensais qu'il y en avait plus, mais non. Donc, on va passer tout de suite à mon avis sur le manga. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Où je te dirai très clairement que la qualité de dessin est juste dingue, comme Bryce Story, que je viens de filmer moi juste avant. Je ne sais plus si c'est dans le bon ordre ou moins. Mais bon, toujours est-il, White Story a une qualité de dingue. Euh, Lukja aussi, et donc Arte aussi. Je n'ai pas encore lu Isabella Bird, mais je sais que la qualité des dessin est au top. Donc, franchement, des mangas avec des femmes fortes et des qualités de dessin de dingue. Donc, ça, c'est vraiment très plaisant. Pour ce qui est du manga, je vais te lire le résumé Florence, début du XVIe siècle, début du berceau de la Renaissance qui vit l'art s'épanouir dans toute sa splendeur. Une jeune aristocrate nommée Arte rêve de devenir artiste peintre et aspire à entrer dans l'apprentissage dans de nombreux ateliers de la ville. Hélas, cette époque de foisonnement culturel était aussi celle de la misogynie et il n'était pas concevable qu'une jeune femme ambitionne de vivre de l'art et de son travail. Les Nombreux obstacles qui se dresseront sur le chemin d'Arte auront-ils raison de sa folle énergie et de cet aristo déjanté Je te laisse découvrir dans ce manga. Donc en fait on suit Arte, une jeune fille aristo... aristo Son père est mort il y a un an, donc déjà c'est sa mère qui dirige tout maintenant. Avant quand son père était encore vivant, elle avait droit de faire du dessin etc pour sa passion. Mais euh, depuis que son père est mort, sa mère a même carrément tout brûlé etc. Et donc on va voir que Arte décide du coup de se dire ok bah tu sais quoi moi j'en ai marre, j'ai pas envie d'être la femme la parfaite tu sais qui euh, c'est euh, bien se tenir, qui est la femme au foyer et compagnie. Moi, je veux vivre de ma passion, je veux faire du dessin, je veux faire de l'art, je veux créer. J'en ai ras le cul, je me casse, je vais chercher en ville du coup quelqu'un qui voudra bien accepter d'être mon prof. Et donc, elle va faire tous les ateliers de la ville. Malheureusement, comme c'est une femme, on va tout le temps lui reprocher que c'est une femme. Et on va même pas regarder ses œuvres, on va juste lui dire eh, t'es une femme, dégage. mais je veux pas savoir, t'es une femme, dégage. Voilà. Et euh, en fait, dès le premier chapitre, hein, donc je ne spoil pas, elle va trouver comme un quinquin qui va accepter de regarder ses dessins et qui va la prendre sous son aile. Au départ, bien entendu, il va lui sortir un. Euh, un travail à faire, un truc qui est complètement impossible normalement à faire dans les temps, au niveau du délai qui lui impose, elle va réussir et c'est là que tout commence. Donc ce que j'ai énormément aimé, c'est qu'on suit les aventures d'une jeune femme qui a une époque où la place de la femme et soit belle et toi en gros, et euh, elle, elle a décidé qu'il n'en était pas question, qu'elle n'était pas juste une femme, euh, qu'elle allait juste devoir se contenter d'épouser un gars bien riche pour... Euh, souvenir à ses besoins et à sa vie, et elle a décidé donc de devenir artiste, de faire des dessins et d'en vivre si elle peut, enfin voilà, d'essayer de, de faire sa passion, et c'est tout. Et donc c'est ce qu'on va voir. Ce que j'aime, c'est qu'on va voir donc une femme forte, une femme qui ne va pas abandonner au premier refus. Elle va essayer tous les artistes de la ville. Euh, on lui lance un défi pour qu'elle soit prise dans, euh, avec en, pour un prof en atelier. Elle va lancer à fond. Elle va euh, tout donner. Elle, elle, elle va donner tout ce qu'elle a dans le ventre. Pareil après au niveau de tous les trucs de la vie de tous les jours en tant qu'artiste, vu que c'est une femme. Par exemple, a récupéré des morceaux de bois pour euh, faire des cadres, pour faire des tableaux. Quand tu es un homme, tu peux aller récupérer beaucoup de bois et tout ça et porter parce que tu as la carrure d'origine. Ouais, sauf des hibis, hein, euh, voilà. Mais quand tu es une artée, donc une femme ou un hibi, <laughs> parce que très clairement, si on regarde l'état de mes muscles, je suis aussi fort qu'une femme. Voilà. C'est pas, pas un. Comment. L'inverse euh, d'un compliment. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas une remarque négative c'est juste une constatation je n'ai pas de force enfin ça dépend pourquoi mais bref toujours est-il donc voilà elle va se confronter à tout ce milieu et tous ces problèmes en fait d'être une femme dans un, un milieu d'hommes et c'est ça qui est très intéressant et ce qui va être aussi intéressant c'est de voir euh, à l'époque comment on faisait par exemple pour savoir dessiner un corps humain etc comment on faisait pour savoir des détails et autres euh, à combien de temps ça pouvait prendre justement de faire des tableaux, à quel point c'était difficile, et c'est vraiment à l'époque où tout a commencé, donc forcément on a vraiment les étapes de la base de le, à l'origine, et c'est ça qui est très intéressant justement, c'est de voir vraiment à l'époque même où tout ça s'est créé, et j'ai trouvé ça très fascinant. J'ai adoré le personnage d'Arte qui est une jeune fille, certes, certes elle est de l'aristocratie, mais au final bah, on l'oublie très vite parce que son caractère et sa façon d'agir. Elle s'en fout les steaks, même la façon où... Enfin le, le lieu où elle dort. C'est pas parce qu'elle a été Aristo que ça y est, oh là là, il y a un peu de poussière. Euh, y... Non, non, non. C'est pas ce genre de fifi là. Donc c'est ça qui est très intéressant et qui est très plaisant à lire. Et donc j'ai eu un giga coup de cœur une fois de plus pour ce titre. Donc lui par contre je n'ai pas comparé à Bryce Story les tomes suivants. Mais très clairement, j'ai très très hâte de les acheter. Et pareil, comme Bryce Story. De le lire, euh, pas forcément de rattraper la parution, pareil, française et japonaise, mais au moins de rattraper peut-être jusqu'au tome 10 ou un truc comme ça, tu vois, pour lire la suite et de faire un maxi bilan lecture, tu vois, avec mon avis sur euh, bah, du tome 2 carrément au carrément, tome 10, entre dans le genre. Ouais, toujours été, n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse parce que. Plus j'aurai de demandes, plus ça me motivera à acheter parce que 7,90€ ce bouquin, ça fait un petit peu mal quand même. Voilà. Donc, n'hésite pas à me faire tes retours, etc. Ça me fera extrêmement plaisir. Et donc, pour moi, Arte, giga coup de cœur comme Bride Story. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, on la commente, ou on partage. N'hésite pas à me dire du coup si tu as aimé ce titre. Est-ce que je t'ai donné envie de le découvrir ou est-ce que tu le connaissais déjà Et euh, si tu aimes justement cette série. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle euh, vidéo. Ma dernière vidéo Comiku, ma playlist comiku, ma Badadadad de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Mes réseaux sociaux, le compte Vinted, et dans la barre d'infos, bien entendu, le résumé des mangas, mon compte Utip, les liens vers mes autres réseaux sociaux, des codes promo et d'autres choses et d'autres choses. On n'en finit plus, mais une barre d'infos, c'est très rempli. Voilà. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!